En 1939, des centaines de milliers d'Espagnols sont passés par Toulouse dans leur fuite du régime franquiste. Certains sont restés, apportant un métissage ibérique à Toulouse. Plusieurs événements leur rendent aujourd'hui hommage. Toulouse l'Espagnol ou encore Cinespagne. Caldas Amalia, c'est un projet qui a pris racine. Lorsqu'elle est venue à Toulouse pour faire des recherches justement sur son grand-père. Que después, bueno, he vuelto para rodarlo también aquí y que ahora pues vengo a que lo veáis, a darle luz. Et une quête, la sienne, celle de son grand-père, à travers ce cas singulier, arrive à donner une idée de ce qu'a pu être, de ce qu'ont pu être les souffrances de l'exil, de la perte, de l'abandon, de la famille, de l'enfance, de tout ce que l'on possédait. Avec une communauté de 5000 Espagnols, la péninsule ibérique marque Toulouse de son empreinte. Reliés par l'histoire du fait de leur proximité géographique, les échanges entre Toulouse et Barcelone se sont multipliés au siècle dernier, sous l'impulsion de l'exil républicain. Mala.
Des échanges aussi en cuisine, car la Catalogne est réputée mondialement pour sa gastronomie. Les liens sont aujourd'hui nombreux entre la gastronomie du Sud-Ouest et celle de la Catalogne, séparés par à peine 250 km. Pour ces raisons, l'Espagne a marqué notre façon de cuisiner et de manger ici dans le sud. Une influence visible sur l'offre culinaire toulousaine. De nombreux restaurants proposent à leur carte des plats d'origine espagnole et le concept de bar à tapas fait fureur. Une institution en la matière est la Tantina de Burgos.
savent vraiment les Toulousains de la cuisine catalane? Nous leur avons demandé de la décrire en trois mots. De la cuisine catalane dont on n'a pas voulu se contenter. Nous quittons Toulouse pour découvrir l'origine de cette cuisine qui nous influence autant. Au-delà des clichés, nous irons à la rencontre des habitants, producteurs, jusqu'au plus grand chef de la gastronomie catalane.